quand on vous regarde travailler, on a un peu l'impression que vous savez précisément où vous allez. Ben non, je sais pas du tout. Je sais. C'est complètement contradictoire. Je sais vaguement ce que je voudrais arriver à faire. Vous visez donc quelque chose. Oui. Et alors, au fond, j'y vais sans... En même temps, sans réfléchir, non? Pour moi, c'est le sujet bel et bien qui compte. Hein? Je ne pense ni à l'intérieur de la personne. Pour moi, l'apparence et le noyau, c'est la même chose. L'art n'est qu'un moyen de tâcher de savoir comme je vois le monde extérieur. J'ai toujours l'impression ou le sentiment de la fragilité, non, des êtres vivants. Comme s'ils devaient faire, à chaque instant, il faudrait une énergie formidable pour qu'ils puissent tenir debout, instant par instant, toujours dans la menace de s'écrouler. Donc, pour moi, la figure humaine n'est pas un prétexte pour faire une belle peinture ou une belle sculpture, mais la toile ou la matière ne sont que des moyens pour tâcher de mieux me rendre compte de ce que je vois. Depuis toujours, la figure humaine m'intéressait plus que n'importe quoi. Mais si vous me posez, vous devenez pour moi un inconnu total. Vous n'avez plus aucune caractéristique particulière. C'est-à-dire que chacun devient tout le monde. Chacun devient tout le monde, oui.